nous allons peu à peu aller vers une forme de communisme à l'échelle mondiale, gouvernée par Pékin et par les multinationales et les banques. La pensée mondialiste n'a de cesse que de s'attaquer à la foi chrétienne en particulier. Elle attaque au pilon la religion catholique, qui est la nôtre plutôt en Europe, mais la religion protestante également aux États-Unis. Elle attaque au pilon. Pourquoi ? Parce qu'on voudrait faire de nos peuples des citoyens totalement dépourvus de toute transcendance, de toute spiritualité, pour les transformer en consommateurs compulsifs. Bonjour Olivier. Bonjour Yin, bonjour à tous les amis de NTD France. Je suis très heureux de revenir m'exprimer sur votre antenne auprès de votre public de plus en plus nombreux. Merci beaucoup et bienvenue à nouveau dans l'émission Esprit français. Est-ce que vous pouvez encore vous présenter une fois pour les Français qui ne vous connaissent pas encore? Bien sûr, je suis Olivier Piacentini, je tiens un cabinet de conseil spécialisé dans l'assistance aux PME depuis maintenant 20 ans et je suis écrivain politologue et j'ai écrit mes deux derniers ouvrages, La mondialisation totalitaire et mon dernier ouvrage qui est en tête des ventes en France, en Belgique et en Suisse, forme de politique, qui s'appelle Le mirage mondialiste. Ok. En fait, Biden est désormais le président des États-Unis. Et comment vous prévoyez le monde après le 20 janvier? Mais je pense que c'est une énorme perte pour les États-Unis, mais pour tout l'Occident également, que l'éviction du président Donald Trump, qui s'était posé depuis des années et avec un très grand succès, comme le grand défenseur des valeurs et des intérêts des États-Unis, mais également l'inspirateur de ce que devrait être la politique de tous les pays occidentaux. Bien. Aujourd'hui, que se passe-t-il depuis des années? Le monde est structuré pour le plus grand bénéfice des multinationales qui profitent du libre-échangisme à l'échelle mondiale, des banques qui profitent de la dérégulation financière et de la Chine qui est le réceptacle, depuis maintenant 20 ans, de toutes les délocalisations que les grands groupes financiers, je dirais, organisent au profit de ce pays et qui, en plus de bénéficier de ces délocalisations, a su créer de nouvelles activités, monter en gamme, développer, je dirais, un mieux-disant technologique qui fait de ce pays aujourd'hui, compte tenu de sa population, un concurrent redoutable. Et pas seulement un concurrent redoutable, une menace politique et stratégique. Car, même si beaucoup de médias n'insistent pas plus que ça là-dessus, ce pays est dirigé par un régime communiste totalitaire. Il faut que les gens comprennent ça. C'est un régime communiste totalitaire où les gens n'ont aucune liberté, même pas les libertés économiques, vous voyez. Et on l'a vu récemment à travers l'actualité, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Et ce pays a des ambitions aujourd'hui d'expansion qu'il a exprimées, qu'il exprime clairement, et y compris d'exportation de son modèle. Un modèle qui, pour moi et pour la plupart, je pense, des gens en Europe, devrait être un anti-modèle. Parce que nous, notre modèle à nous, c'est la liberté, liberté économique, liberté politique, liberté individuelle. Eh bien, l'anti-modèle chinois est en train de faire planer une menace sur le monde. Et cette menace, Donald Trump avait su y résister. Il avait fait front. Il avait dit non, je dirais, à toutes les manquements de la Chine au niveau de ses obligations en tant que membre de l'Organisation mondiale du commerce. Je pense que tous les Occidentaux devraient s'inquiéter de voir le régime de M. Xi se réjouir de l'élection de Biden. Personne n'en parle. Bon, je pense sérieusement que Monsieur Biden va reprendre les politiques précédentes qui étaient menées aux États-Unis, c'est-à-dire favoriser les milieux d'affaires au profit de la Chine et au détriment du peuple américain. Justement, vous avez parlé de Trump. Trump, il a retiré des États-Unis sur l'accord de Paris. Oui. Et Biden, dès son entrée au pouvoir, il a dit qu'il va revenir sur l'accord de Paris. Est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est l'accord de Paris? Alors l'accord de Paris, c'est un accord qui vise à réduire
En fait, c'est un plan, un cahier des charges pour réduire les émissions de CO2 dans l'atmosphère sur, je dirais, plusieurs décennies pour se conformer à un niveau d'émission qui empêcherait le fameux réchauffement climatique de se produire. Bon, c'est l'objet de l'accord de Paris et la plupart des pays avaient signé cet accord. Bon, sauf que cet accord de Paris, si vous voulez, depuis 5 ans, n'est déjà pas respecté par la plupart des pays, à commencer par la Chine, hein, qui signe, mais qui ensuite ne s'astreint pas aux obligations que cela confère. Bon, deuxièmement, cette histoire de réchauffement climatique, est-il vraiment prouvé que le réchauffement climatique, qui est vérifiable, qui existe, il ne faut pas se raconter d'histoire, il y a bien un réchauffement climatique. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il est véritablement lié à l'activité humaine? Rien ne le prouve. Dans l'histoire de la planète Terre, il y a eu d'énormes évolutions climatiques. Le Groenland, vous connaissez le Groenland? Ça s'appelle Groenland, ça veut dire pays vert. Parce qu'à l'époque où les Vikings l'ont découvert, au 9e siècle après Jésus-Christ, il y avait des prairies, ce n'était pas gelé. Donc le climat était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Et il s'est rafraîchi par la suite et on nous dit maintenant qu'il se réchauffe. Est-ce bien l'activité humaine qui produit cette augmentation de la température? Force est de constater, par exemple, que cette année 2020, à l'année passée, où l'activité humaine s'est considérablement réduite, puisqu'il y a une récession mondiale, beaucoup moins d'émissions de gaz carbonique, mais finalement, peu d'effets sur le climat et même peu d'effets sur la présence de particules de gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est-à-dire que la très forte réduction de l'activité ne s'est pas traduite par une réduction équivalente des particules de gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc, cet accord de Paris, quelle utilité a-t-il vraiment? On peut se poser la question. Au moment où il a été conclu, donc en 2015, le président de la session qui se tenait donc à Paris était Laurent Fabius. Et vous savez comment il a conclu son discours? Il a dit « Aujourd'hui marque l'an 1 du gouvernement mondial ». C'est à travers des objectifs comme ce réchauffement climatique que l'élite mondiale veut nous imposer l'ébauche d'un gouvernement mondial et à travers, je dirais, ces questions écologiques, tout ceci remonte à la surface et vient l'idée qu'il faut forcément qu'on organise, je dirais, une gouvernance internationale pour pallier à des problèmes qu'on veut croire mondiaux, parce qu'effectivement, bon, mais le gaz carbonique, forcément, si on veut réduire ses émissions, c'est à l'échelle internationale. Mais est-ce vraiment un problème? Et d'ailleurs, Yin, je vais encore plus loin. On nous parle de l'urgence climatique. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a d'autres urgences qui, me semble-t-il, à l'heure actuelle, devraient largement polariser notre attention? Je vais vous les citer. La pandémie qui provoque l'écroulement de nos économies européennes et américaines. Il me semble que ce serait vraiment la première des choses à régler, n'est-ce pas? L'endettement colossal de nos pays que cela produit qui risque de nous mener à une faillite à court moyen terme. Il me semble que c'est un autre problème. Bon. Le problème du renforcement économique et politique de la Chine, qui, je le répète, est un pays ami du point de vue du peuple, on va dire, mais pas du tout du point de vue du régime, qui est l'ennemi des pays occidentaux. La Chine est un pays qui, c'est vrai, a été humilié par les occidentaux à la fin du XIXe siècle, avec la guerre de l'opium, la guerre des boxers. Les occidentaux ont colonisé une partie de la Chine et ont humilié la Chine. C'est la vérité. Et je suis convaincu que dans l'esprit des dirigeants chinois, je ne parle pas forcément du peuple, mais des dirigeants chinois, il y a une volonté de revanche et il y a aussi l'envie, je dirais, de s'imposer à l'échelle internationale, tout simplement parce que la puissance de ce pays devient de plus en plus forte. Et je crois qu'aujourd'hui, bien plus que le réchauffement climatique et les accords de Paris, M. Biden ferait bien mieux de s'occuper de ça, de se débarrasser de la pandémie et de relancer l'économie de son pays qui est très atteinte, comme hélas celle des pays européens, qui va encore pire d'ailleurs. Qui va encore plus mal. En fait, M. Trump, il pense l'accord de Paris tue l'économie américaine. Et le principal bénéficiaire de cet accord est la Chine.
Ah ben complètement. Et complètement, de toute façon. Écoutez, vous savez, il faut pas se mentir, hein. Je veux dire, l'accord, il est basé sur des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Bien. Et ces objectifs vont être mesurés dans chaque pays. Bien. Vous avez confiance totalement dans les chiffres que Pékin va livrer, vous? Moi, pas tellement, hein. Vous savez, je pense qu'ils vont vouloir, ils vont mettre les chiffres qu'ils vont avoir envie de mettre, et puis c'est tout. Et qui va leur dire quoi derrière? On va lui dire, ah mais non, hein, il va falloir que vous disiez, là, les chiffres, ils sont pas bons, hein. Mais personne ne sera en mesure de faire ça, tout simplement parce que la Chine est beaucoup trop puissante. Donc cet accord de Paris est un véritable mirage. C'est un chiffon de papier. C'est fait pour complaire à l'opinion publique, répondre aux angoisses des écologistes et compagnie. Mais tout le monde sait très bien qu'un certain nombre de pays sont beaucoup trop puissants pour se laisser imposer ces critères-là et ils vont jouer juste une espèce de façade pour faire croire qu'ils tiennent leurs engagements. Et puis après, bon, qu'est-ce que vous voulez, hein? Au moins, Trump a eu la franchise de dire que cet accord ne l'intéressait pas, que son pays n'avait pas d'intérêt à respecter cet accord et il l'a quitté. Il y avait un certain nombre de pays à côté qui s'y maintiennent tout en sachant très bien qu'ils vont en rire, c'est-à-dire qu'ils vont faire en fait ce qu'ils veulent et puis ils vont présenter les données qu'ils veulent et personne ne sera en mesure de les contraindre à quoi que ce soit. Parce qu'en gros, États-Unis doit payer une somme très, très importante. Je sais comment pas traduire en français, mais les sommes, c'est vraiment hyper important. États-Unis doit payer cette somme pour la Chine. Oui, tout à fait, bien sûr, parce qu'en plus, il faut aider la Chine à se mettre aux normes écologiques et il faut que ce soit les États-Unis et les pays européens qui contribuent, en particulier les États-Unis. Bon, on avait le même problème au niveau de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, je crois que les États-Unis payaient plus de 500 millions d'euros qu'ils donnaient à l'organisation, la Chine 40 millions. Un décalage énorme par rapport au poids économique respectif de ces pays, qui aujourd'hui n'est pas si éloigné que ça. Hein. Bon, alors à quoi sont dues ces distorsions? Pourquoi est-ce que c'est toujours aux États-Unis et aux pays européens que le gros, je dirais, du coup revient, alors qu'un pays comme la Chine aujourd'hui veut s'affirmer comme une puissance? En tant que puissance, elle doit aussi assumer, c'est-à-dire contribuer à la juste hauteur de son poids. Mais elle ne le fait pas. Et par contre, insidieusement, elle pénètre ces institutions et petit à petit, elle les noyaute. Et le cas de l'OMS est particulièrement révélateur, puisque l'OMS est dirigée par une personnalité éthiopienne. Excusez-moi, j'ai toujours du mal à retenir son nom qui est un peu compliqué. Et cette personne est un ancien, je dirais, responsable d'un gouvernement communiste en Éthiopie. C'est une personne qui a des convictions marxistes. Donc, l'Éthiopie est depuis une quinzaine d'années une colonie chinoise, que les Chinois ont énormément investi en Éthiopie. Ils ont racheté des millions d'hectares de terres vivables qu'ils valorisent et ils rapatrient une partie de la production pour assurer leur approvisionnement alimentaire. Le régime craint beaucoup la pénurie alimentaire, le régime chinois. Ils ont beaucoup investi également, eux-mêmes délocalisent des usines ou ont installé des usines de textiles et d'autres produits en Éthiopie. Donc l'économie éthiopienne depuis une douzaine d'années a vraiment explosé, mais grâce à l'investissement chinois. Est-ce que vous pensez que cette personnalité éthiopienne, haut responsable éthiopien, va être complètement indépendant et complètement neutre par rapport au poids que la Chine détient dans son pays? Ben non. Et on l'a vu au début de la pandémie, l'OMS n'a pas joué son rôle de lanceur d'alerte et a essayé de couvrir les responsabilités du gouvernement chinois. Donc, accord de Paris, OMS, et je pourrais parler de bien d'autres choses, la Chine ne contribue pas, ne prend pas ses responsabilités en termes financiers et d'engagement pour, je dirais, la gouvernance mondiale, les institutions internationales. Par contre, elle essaye de les noyauter. Et c'est un grand danger qui risque de nous conduire, en fait, à une gouvernance mondiale pilotée par quelqu'un. Bah justement, Biden, il veut revenir sur deux choses. Donc, il y a l'accord de Paris et après OMS. Est-ce qu'on peut Oui, considérer que... venir dans l'OMS, mais oui. Allez-y, excusez-moi, finissez la question. Non, en fait, est-ce que vous pensez du coup, mais le premier pas de Biden, le gouvernement Biden, c'est vers le communisme?
Le premier pas du gouvernement Biden, c'est en fait de relancer les États-Unis dans une forme de coopération avec la Chine, une coopération qui en réalité est un jeu de dupes qui ne profite qu'à Pékin et jamais à Washington et jamais aux Occidentaux. Il est bien évident que Joe Biden veut se poser en homme de paix, de dialogue, etc. Mais en fait, à travers ça, il ne fait que servir les intérêts des grands groupes qui l'ont puissamment soutenu pendant cette campagne, qui l'ont financé et qui tirent une grande partie de leurs profits de leur délocalisation en Chine. Et poussé par ce lobby, en fait, ce lobby de grandes multinationales, Joe Biden relance son pays dans les accords de Paris, dans l'OMS, bref, dans une espèce de dialogue avec la Chine, mais on a vu pendant très longtemps, c'est-à-dire jusqu'à ce que Trump n'arrive, que cette coopération était à sens unique et que c'est un principe de vase communicant où peu à peu la puissance et l'influence des États-Unis décroît au profit de la puissance et de l'influence de la Chine. Et ce n'est que Trump qui a essayé, et je dirais même réussi, d'inverser la tendance. Bon, aujourd'hui Trump n'est plus là, mais à quelque chose, malheur est bon. Le fait est que le peuple américain est coupé en deux parts à peu près égales. Bien. Eh bien, le peuple américain va avoir l'occasion, pendant les mois et les années à venir, de comparer et de voir la différence. Voilà. Nous avons un président Biden qui ne pense qu'à revenir à la table du dialogue avec la Chine, alors que la seule chose qui marche et qui n'a jamais marché avec Pékin, c'est ce qu'a fait Trump, c'est-à-dire imposer ces diktats. Dire voilà, maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement. Soit vous faites comme ça et on pourra continuer, soit on arrête les frais. Il n'y a que cette méthode qui marche avec Pékin et Biden veut employer une autre méthode qui est celle, je dirais, de la compromission qui va conduire à l'affaiblissement de son pays. Et les Américains vont le voir très vite, très très vite, parce que le grand flux de délocalisation va repartir vers la Chine. Et beaucoup de gens vont perdre leur emploi certainement dans les mois et les années à venir. Et je suis persuadé, moi, qu'au contraire, finalement, ces mois et ces années qui vont s'écouler à partir d'aujourd'hui vont renforcer la popularité du courant que le président Trump représente, parce qu'on va bien voir qu'il avait bien raison, que c'est lui qui était le plus à même de défendre les intérêts du peuple américain. Donc après votre analyse tout à l'heure, c'est-à-dire l'accord de Paris, derrière l'accord de Paris, ça se cache, on peut dire, la mondialisation et le communisme. Une forme de mondialisme qui peu à peu va ressembler à une forme de communisme. Alors, c'est difficile à distinguer, si vous voulez, tout ça. Pourquoi? Parce que le communisme de la version marxiste originelle reposait sur la captation des moyens de production par l'État. Bon, c'est-à-dire que l'État nationalisait tout, concentrait toutes les activités, puis après répartissait le travail dans la population de façon à ce que tout le monde ait du travail et des revenus. Bon, c'était le principe du communisme. On collectivise la production, les moyens de production, et après, on répartit les tâches entre les gens. Bon, un système qui, évidemment, n'a conduit qu'à des faillites retentissantes, celle de l'Union soviétique, je dirais celle du Venezuela aujourd'hui, enfin, tous les pays qui ont, je dirais, rejoint ce système économique et politique ont fini en pleine débandade. Enfin, ils se sont écroulés. Bien. La Chine d'aujourd'hui est passée à une autre forme de communisme et c'est une autre forme qui risque de se reproduire à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont non plus l'État, mais les grands groupes financiers qui concentrent et captent l'essentiel des moyens de production. C'est-à-dire que depuis que la mondialisation s'est installée, c'est-à-dire au début des années 90, avec l'ouverture des frontières, il y a un phénomène de concentration gigantesque des activités et on n'est plus vraiment dans un système de concurrence libre et non faussée, mais dans des oligopoles qui se constituent secteur par secteur. On le voit par exemple aujourd'hui avec l'automobile. Il y a une trentaine d'années, il y avait des dizaines et des dizaines de marques automobiles. Aujourd'hui, vous voyez un peu
Peugeot, Chrysler, Fiat, Opel, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Citroën, tout ça est rassemblé dans le même groupe. Et vous avez, secteur par secteur, deux ou trois très grosses sociétés qui contrôlent le marché à l'échelle mondiale. Eh bien, le communisme ne va plus passer entre les mains des États, mais entre les mains des grands groupes et de l'État chinois de son côté. Et ce sont ces gens-là qui vont se partager les moyens de production à l'échelle mondiale et, je dirais, faire travailler la partie de la population qui les intéresse, hein, c'est-à-dire les plus qualifiés côté occidental, et puis les masses de travailleurs pauvres en Chine. Et puis pour les autres, ben, ce sera le revenu universel. On va leur donner un petit revenu à la fin du mois, de façon à qu'ils puissent continuer à consommer à un minimum. Mais nous allons peu à peu aller vers une forme de communisme à l'échelle mondiale, gouvernée par Pékin et par les multinationales et les banques. Et quel rôle a joué la France dans l'accord de Paris ? C'est un élément moteur. D'ailleurs, ça s'est passé à Paris. Le fait que l'accord a réussi, puisqu'il y avait eu d'autres colloques du même type, à Copenhague en 2009, à Rio. Bon, le fait que ça se passe à Paris et que tout ait été fait pour que ça apparaisse comme un succès, hein, parce que vous avez bien compris que cette grande réunion de fin avec les embrassades, etc., bon, c'était une façade, en fait. En réalité, bon, on a essayé de tout faire pour arriver à un accord à n'importe quel prix, de manière à ce que les gens voit que bon, tout le monde est d'accord, tout le monde s'embrasse, tout le monde est content. Bon. Mais un accord de ce type-là n'a de valeur que s'il y a de réels moyens de contrôler que les objectifs qui sont fixés se réalisent et d'avoir, je dirais, des éléments coercitifs qui permettent de sanctionner des pays qui ne respectent pas ces accords. Et puis, vous avez le régime chinois, qui la Chine, qui, elle, je dirais, n'a aucun scrupule à polluer intensivement du moment que son industrie tourne à plein régime. Vous voyez, je sais qu'il y a des régions de Chine où véritablement les sols, les nappes phréatiques sont carrément empoisonnées. Je dirais l'air est carrément vicié par toutes les émanations qui viennent des cheminées des usines. Bon ben. La priorité du gouvernement, de toute façon, ce n'est pas la santé de la population, ce n'est pas l'écologie, c'est de faire croître le PIB à vitesse grand V et la production industrielle. Bon, alors, puisque ce sont ces deux pays qui sont les principaux contrevenants à l'accord de Paris, mais qui va les faire entrer là-dedans? Quel pays va... Est-ce que vous croyez que la France, bien qu'elle ait tout fait pour organiser que ce soit un succès, M. Macron va pouvoir aller voir M. Trump aujourd'hui, M. Biden ou M. Xi, il va dire, mais attention, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous ne respectez pas les normes, là. Qu'est-ce qu'on va, on va faire quoi? Mais rien, tout simplement parce que ce sont les deux pays les plus puissants et que rien ne pourra jamais les contraindre à faire ce qu'ils n'ont pas envie. Voilà, c'est tout. Et cet accord de Paris, encore une fois, c'est plus une façade. À l'époque, le président américain était Obama. C'est plus une façade pour, je dirais, habituer les peuples à des formes de coopération mondiale qui vont créer, si vous voulez, l'illusion d'un gouvernement mondial et habituer les esprits à cela. Voilà. Je crois que le vrai fond des accords de Paris est beaucoup plus là que dans l'illusoire objectif de baisse du CO2, qui d'ailleurs ne sont pas rendez-vous 5 ans après, hein, et seront difficilement applicables à des pays qui sont trop puissants. Mais du coup, quel est l'impact pour la France? Au niveau du retour de Joe Biden Non, au niveau de l'accord de Paris, est-ce qu'il y a, certains impacts pour la France? Pour la France, non, moi je ne pense pas, pour la bonne raison, je vais vous dire. Écoutez-moi, soyons sérieux. On vous parle encore une fois d'émanation de CO2 qui perturberait le climat, c'est ce qu'on vous dit. Bon, mais ça tombe bien parce que nous en France, nous sommes le deuxième pays le plus propre du monde après la Suisse, en termes d'émanation de CO2. Nous sommes le deuxième pays le plus propre du monde en termes d'émanation de CO2. Pourtant, c'est toute la journée que les écologistes nous rappellent qu'il faut qu'on soit propre et qu'il faut qu'on fasse attention et qu'on ne prenne pas la voiture et qu'on fasse ci et qu'on fasse ça. Bien. Mais nous sommes les deuxièmes plus propres. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire les mêmes injonctions à la Chine, par exemple? Bon, citer toujours, bon, qui elle ne respecte absolument pas ces critères, qui est un des plus gros pollueurs mondiaux. Donc, je veux dire, en France, on monte cet accord de Paris
pour mettre le climat au-dessus de toutes les priorités, alors qu'on pourrait citer encore une fois l'immigration de masse, le terrorisme, qui sont d'autres priorités, d'autres urgences, qui me semblent beaucoup plus dramatiques que le réchauffement pour le moment. Bien. Eh bien, nonobstant son statut de pays très propre, la France n'est pas capable, je dirais, de mettre les autres au diapason, et au contraire, subit les plaintes déposées par Mademoiselle Greta Thunberg. Mademoiselle Greta Thunberg a déposé une plainte contre la France, l'Allemagne et je ne sais plus quel autre pays européen pour des questions de non-respect des objectifs climatiques et des normes de pollution. Mais c'est se moquer du monde. Madame Greta Thunberg, qui va à l'ONU crier je ne sais quoi et s'en prendre à Monsieur Trump et compagnie, attaque la France, deuxième pays le plus propre du monde. Mais pourquoi ne va-t-elle pas attaquer la Chine? Simplement parce que la Chine l'enverrait promener, mais alors gentiment, puis lui dirait, mais passe ton chemin, elle va prendre un bonbon avec des petits copains. Voilà, ça s'arrêterait là. Mais nous, on est là à écouter cette demoiselle et à écouter les intentions écologistes qui ne nous font la leçon qu'à nous. Qu'à nous. Si on doit regarder le problème écologique dans son ensemble, il est quand même curieux de voir que les mesures qui sont préconisées sont toujours, pèsent toujours sur la vie des peuples occidentaux et pas, par exemple, sur la logique de délocalisation qui nous amène à fermer des usines européennes qui sont propres, pour les rouvrir en Chine, où on pollue comme on veut, on s'octroie un permis de polluer. Et ensuite, il faut rapatrier les produits à l'autre bout du monde, fabriqués en Chine, de l'autre côté de la planète, via des supertankers dont un seul voyage représente plus d'émanations que des dizaines de milliers de voitures pendant une année. Mais qui vous parle de ça? C'est quand même curieux que pour lutter contre les problèmes de réchauffement climatique et d'émanation de gaz carbonique, on ne parle jamais des véritables causes qui créent ce phénomène. Qu'on s'attaque toujours à la vie, je dirais, du français moyen, ou de l'anglais moyen, ou de l'allemand moyen, ou de l'américain moyen, et jamais au fond du problème qui est la mondialisation et les délocalisations. Mais évidemment, de cela, on n'en parle pas, puisque de toute façon, ceux qui vous défendent le climat et ceux qui vous défendent la mondialisation, ce sont souvent les mêmes. Et donc, il est bien évident qu'on reste dans nos contradictions et puis on préfère s'en prendre aux Français moyens, encore une fois, qui a bon goût et qui est toujours responsable de tout. Voilà. Mais je pense que tout ceci n'est qu'un écran de fumée, c'est bien le cas de le dire. Et aujourd'hui, notre deuxième sujet, c'est sur les censures des Big Tech. Il y a une semaine, Google, Apple et Amazon a bloqué parler en 3 jours. Or, Trump, il a demandé d'interdire WeChat et TikTok pendant 6 mois, mais il n'a pas réussi jusqu'au maintenant. Et quelle est votre observation sur ça? C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez qu'il y a une dictature de Big Tech en train de se créer? Mais bien sûr. Et je pense que le fait de censurer le compte de Donald Trump au moment où il était encore président des États-Unis. C'est pas un citoyen lambda, c'est le président des États-Unis dont le compte est censuré par Twitter. Eh bien, je pense que c'est véritablement un immense symbole. Je pense que c'est fait de façon tout à fait, voulu, hein, c'est fait sciemment de marquer les esprits en montrant qu'aujourd'hui, eh bien, ce n'est plus le président et l'État qui censurent les médias, ce sont les médias qui ont les moyens de censurer les présidents. Et donc, à travers les présidents, les États qu'ils représentent. Tout ceci s'inscrit dans un conflit de pouvoir feutré, qui n'apparaît pas au grand jour, entre les grands groupes multinationaux, les banques d'une part, et les États de l'autre part. Les banques et les multinationales ne cessent de s'enrichir depuis 30 ans, comme on l'a déjà vu tout à l'heure. Concentre, elles déploient leurs affaires à l'échelle mondiale avec le libre-échangisme et l'ouverture des frontières et la dérégulation financière, et elles s'enrichissent de plus en plus. Pendant que les États occidentaux, eux, s'appauvrissent, parce qu'il faut qu'ils pallient aux défaillances de la mondialisation, en particulier les délocalisations industrielles et les pertes d'emplois. Donc, les États s'endettent, les grands groupes s'enrichissent. Et les États s'endettent auprès des banques et des grands groupes. Donc,
non seulement il y a peu à peu un basculement de la richesse, mais en plus les États passent sous la dépendance financière des grands groupes. Eh bien, les grands groupes, fort naturellement, veulent s'imposer, y compris politiquement, dès leur pouvoir, et aujourd'hui, elles n'ont plus peur de le montrer. Elles sont en train de le prendre en censurant Donald Trump, comme ils l'ont fait. Je pense que c'est vraiment très très grave, parce que ça veut dire tout simplement que notre démocratie aujourd'hui est largement entamée. Largement entamée. Parce qu'il est bien évident qu'un pouvoir politique en Occident, mais il dépend du bon vouloir des électeurs, hein, qui choisissent tel ou tel candidat. Un pouvoir qui émane des multinationales, mais qui contrôle personne, en tout cas certainement pas le peuple. Les cinq grands groupes ont créé une alliance. Leur pouvoir devient, on peut dire, quasiment un pouvoir absolu. C'est-à-dire au-dessus du gouvernement, au-dessus le président, au-dessus de tout. Bien sûr. Et vous savez, le fait qu'ils aient sanctionné Trump n'est pas anodin. Parce que là encore, Trump avait essayé de s'attaquer à cette omnipotence des grands groupes et des GAFA. Il avait essayé d'appliquer des amendes, entre autres à Twitter, pour abus de position dominante. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a moyen de déclencher des sanctions face à une entreprise. Il y a des lois antitrust qui permettent, de s'attaquer à des grands groupes qui concentrent l'essentiel de l'activité sur un secteur, qui deviennent, pratiquement omnipotents sur un secteur. Ça s'appelle l'abus de position dominante. Et donc Trump avait essayé de s'attaquer à ces grands groupes pour leur infliger des amendes et les obliger, si vous voulez, à partager, à s'ouvrir à la concurrence et, à partager un peu de leur activité. Bon, mais je pense que les grands groupes, évidemment, se sont vengés en coupant complètement les moyens de communication du président Trump, encore une fois, alors qu'il était encore à la tête des États-Unis. C'est ça qui est le plus grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la présidence des États-Unis est moins puissante en termes de communication que les grands groupes. Je pense que c'est très grave. Et maintenant, ça devient une menace pour le monde entier, parce que ça a commencé de toucher tant d'autres. En France aussi, il y a des censures. Oui, mais en France, mais vous savez, alors là, je vais vous le dire, hein, les statistiques aujourd'hui, j'ai vu une statistique hier, la France est l'un des pays qui sanctionne le plus sur Internet dans le monde. Ah. Oui, ben oui. C'est pas anodin, hein, je vais vous dire, hein, c'est tout simplement le fait que la France est un des pays les plus étatisés du monde, avec cette année 64% de la dépense publique par rapport au PIB, donc on atteint des niveaux qui sont incroyables, qui nous rapprochent d'économies de type soviétique. Et que dans des économies où l'État concentre une part aussi importante, forcément, l'État se donne le droit, si vous voulez, de distribuer des bons points, de dire ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, etc. C'est une tendance générale où, peu à peu, plus la société s'étatise et plus l'État imprime une certaine idéologie dans l'opinion et restreint progressivement la liberté d'expression. Alors, ça se fait petit à petit en France. Et puis, bon, on n'a pas de goulag encore, vous voyez. Donc, bon, on est juste coupé, bon, et puis bon. Mais le fait est que c'est une tendance très forte qui est, à mon avis, gravissime pour la démocratie, la liberté d'expression. Et je pense très simplement que nous avons deux problèmes. Il y a l'étatisation de la France et il y a également le poids des GAFA aujourd'hui dans la vie des peuples, que ce soit aux États-Unis, mais c'est également le cas en Europe et en France en particulier. Ces GAFA, encore une fois, ne sont que trois ou quatre à contrôler le marché. Ils s'entendent entre eux. Et il y a encore quelque chose de beaucoup plus grave. Ils ont la main mise sur les données personnelles de tout le monde. C'est-à-dire que vous, Yin, je ne sais pas si vous êtes sur Facebook, Twitter ou autre, mais les ordinateurs de ces grandes sociétés savent tout de vous. Comment vous vous habillez, ce que vous achetez, vos opinions politiques. Alors ça, peut-être c'est normal, parce que vous ne les cachez pas. Votre métier, peut-être ce que vous faites dans le privé, les gens que vous rencontrez, vos amis, vos mœurs, enfin, etc. Ils savent tout de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ils savent tout de moi, bien entendu. Mais est-ce que ce n'est pas la pire des menaces
sur, je dirais, nos libertés que de savoir que des gens, en appuyant sur les boutons, connaissent votre vie par cœur. Ben, je pense que véritablement, ça peut nous conduire à un monde cauchemardesque. Et le président Trump avait essayé, à travers les abus de position dominante, de s'y attaquer. Il y avait eu également, toujours pendant la mandature Trump, des convocations de Mark Zuckerberg devant le Congrès américain par rapport, je dirais, à l'utilisation plus que, je dirais, cavalière des données personnelles des gens, à des buts commerciaux et autres. Donc, le président Trump avait à plusieurs reprises essayé, et le Congrès américain, d'empêcher que, véritablement, le pouvoir des GAFA ne soit démesuré, lié sur la connaissance et la manipulation des données personnelles des gens. Je ne suis pas convaincu que M. Biden en fasse autant dans l'avenir, parce que les GAFA sont ses amis, comme ils étaient les amis du président Obama, qui mangeaient tous les vendredis en bras de chemise, avec Zuckerberg, avec Bezos, avec Gates, etc. Bon, les démocrates aiment beaucoup les gens de la Silicon Valley. Alors moi, c'est pas que je suis con. Ce sont des gens qui ont créé des choses extrêmement importantes sur lesquelles nous pouvons travailler et nous exprimer également. Donc, mais il faut que la mesure soit donnée, que le pouvoir de chacun soit restreint de manière à ne pas empiéter sur les libertés des autres. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut fermer Twitter, machin et compagnie. Je dis qu'il faut que ces gens-là respectent les lois et respectent des normes et je dirais, des limites à leur contrôle sur la vie des gens. Mmh. Trump voulait faire, et à plusieurs reprises, il a marqué, mais une lutte très difficile. Bon, avec Biden, il n'y aura pas de lutte, puisqu'il va se coucher. Bon, c'est tranquille. Mmh. Et, voilà. Et en fait, Trump a une... Dans certaines mesures, il essaye de réveiller le peuple américain, c'est-à-dire c'est l'état profond. Quel est le vrai visage des médias grand public? Absolument. Mais vous savez, le président Trump avait fait un très grand discours à l'ONU, un discours très simple, mais qui voulait tout dire. Et il expliquait que la démocratie ne pouvait être effective sans la souveraineté du peuple et de l'État. Bien. Et il avait insisté dessus en expliquant qu'aujourd'hui, la souveraineté des États était menacée par la coopération internationale, par donc les institutions internationales, mais aussi par la mainmise des grands groupes sur l'économie mondiale. Donc, il avait expliqué tout ça. Et beaucoup de gens l'ont compris, puisque énormément de gens ont voté pour lui. Encore une fois, vous savez, tout ce que nous racontons aujourd'hui, n'imprègne pas encore la totalité de la population. Ce que je suis en train de vous dire, ce dont on est en train de dialoguer, c'est-à-dire de cette emprise des grands groupes et de la Chine pour, je dirais, s'emparer de la richesse mondiale et du pouvoir mondial, n'est pas quelque chose qui, aujourd'hui, est compris et marque tous les esprits. Vous voyez, on se bat à travers des émissions pour faire passer le message. Et les gens commencent à ressentir qu'il y a bien un problème quelque part. Vous voyez ? Mais Trump a réussi à se faire élire alors que cette conscience n'était pas encore aboutie dans la population. 4 ans après, la conscience de ce que dit Trump a progressé. Mais les 4 années de Biden vont nous servir parce que les gens vont vraiment prendre conscience que véritablement Donald Trump a gagné. Voilà. C'est en ça que j'essaie toujours de voir le bon côté des choses. Les gens qui avaient un doute, est-ce que Trump a raison ? Oui, est-ce qu'il ne pousse pas un peu le bouchon et compagnie, mais au bout de 4 ans de Biden, je crois même au bout de 2 ans, ils vont bien voir à quel point le président Trump ne les a pas trompés et à quel point c'est un grand président qui a vraiment essayé de les défendre. Voilà. Et personnellement, il va beaucoup me manquer. Mais je vois ça comme, je dirais, la possibilité d'affirmer ses idées dans les populations pour qu'ils mesurent la différence entre cette gouvernance je dirais, des Biden, des Macron et des autres, et la vraie gouvernance de chefs d'État qui défendent leur peuple et leur pays. Mmh. Certains pensent que la plus grande succès de Trump est de son retour sur la tradition et le retour sur la croyance de Dieu. Bien sûr. Et aussi sa résistance au Parti communiste chinois. Mais écoutez, moi, effectivement, Donald Trump a systématiquement mis en avant, je dirais,
la foi religieuse qui imprègne profondément les États-Unis, le peuple américain, et jusqu'au sommet de sa constitution. Et ce que je décris dans un chapitre en particulier de mon livre Le Mirage mondialiste, c'est que, je dirais, la pensée mondialiste n'a de cesse que de s'attaquer à la foi chrétienne en particulier. Elle attaque au pilon la religion catholique, qui est la nôtre plutôt en Europe, mais la religion protestante également aux États-Unis. Elle attaque au pilon. Pourquoi ? Ben parce qu'on voudrait faire de nos peuples des citoyens totalement dépourvus de toute transcendance, de toute spiritualité, pour les transformer en consommateurs compulsifs. Voilà, qui vont cliquer sur des boutons, ils vont être excités par telle nouveauté, alors ils achètent, ou alors ils visionnent tel truc. Voilà, on n'attend plus des gens qu'ils aient une hauteur de vue, une hauteur de comportement, une certaine moralité, la défense des valeurs familiales, des valeurs religieuses. Tout ça, on veut la faire disparaître au profit d'un individu égotiste, centré sur ses, je dirais même pas ses passions, mais ses envies instantanées, ses envies du moment, et on provoque des envies dans la tête des gens, et on y répond en leur vendant quelque chose ou en leur demandant de télécharger quelque chose. Bon, ben c'est ça, l'homme nouveau que veut faire émerger, je dirais, le courant mondialiste, et cet homme nouveau est aux antipodes du patriote et du croyant. Voilà, du patriote et du croyant qui va avoir, des projets et un avenir pour sa famille, qui va voir les choses autrement, vous voyez, qui ne va pas s'arrêter au petit truc à acheter à la minute, mais qui va penser au destin de ses enfants, au destin de son pays, au destin de son âme à travers, au-delà de la mort. Donc, un tout autre type de comportement que l'on veut éradiquer des peuples pour en faire des esclaves, des grands marchands du temple. Voilà, tout simplement. Mm-hmm. En fait, beaucoup de gens sont déçus. Beaucoup de supporters de Trump qui ont prié pour Trump sont déçus du résultat. Est-ce que vous êtes aussi croyant, vous ? Je suis croyant, je suis catholique. Mm-hmm. Voilà. Et est-ce que vous considérez le résultat, comment dire, vous pensez que c'est quand même une chance le ciel a donné aux gens pour bien connaître le vrai bien et le vrai mal et faire chacun son choix et saisir leur avenir meilleur? Alors écoutez, Yin, moi je suis optimiste. Je suis optimiste parce que vous savez, le mondialisme s'est imposé, il n'est pas arrivé d'un coup comme ça. Ça fait 30 ou 40 ans qu'on nous le matraque à travers les médias, la télévision, les journaux, etc. Et petit à petit, qu'il a imprégné l'esprit des gens. Et puis, depuis 4-5 ans, moi, j'observe que le mondialisme est en train de commencer à dégoûter une partie de la population et que les gens veulent revenir dessus. Alors, évidemment, tout ne se fait pas d'un coup. De la même manière que le mondialisme a mis 30 ans à pénétrer les esprits, le démondialisme va mettre du temps, mais peut-être ça va aller même plus vite. Beaucoup de gens aujourd'hui voient bien qu'il y a un problème. Ils ressentent que le mondialisme et la mondialisation est un problème, mais ils ne sont pas encore sûrs, ils n'ont pas encore les idées très claires. Eh bien, je le répète encore une fois, la comparaison de la politique de Biden avec celle de Trump sera très largement favorable à toutes les actions brillantes qu'a mené Donald Trump pendant 4 ans. Donald Trump a été un très grand président qui, pour moi, est au niveau d'un président comme d'un président de la Trump de Ronald Reagan. Je pense que Donald Trump est le meilleur président des États-Unis depuis Ronald Reagan. Il a tenu tous les engagements qu'il a pris pendant la campagne. Lutte contre l'immigration avec le mur qui est érigé maintenant à la frontière au niveau du Texas. Lutte contre les importations chinoises et, le non-respect par la Chine des obligations qui lui incombent au niveau de l'OMS. Donc il a engagé une guerre commerciale. Il a engagé une guerre contre M. Kim Jong-un, dont on n'a plus entendu parler pendant 2 ans. Maintenant, il commence à ouvrir sa bouche. Ça y est, il a repris du poil de la bête, il sait bien qu'en face de lui, c'est plus un mur qu'il a, c'est bon, un chiffon de papier. Bon, voilà. La lutte également pour la reconnaissance de l'État d'Israël, qui est aujourd'hui reconnu par la plupart des pays arabes. Un succès diplomatique phénoménal. Mais qui aurait pu penser ça ? Que tant de pays arabes se seraient bousculés
pour reconnaître l'État d'Israël. À qui on le doit ? On le doit au président Trump, n'est-ce pas ? Mais les médias ne le reconnaissent pas à cet auteur. Le président Trump est resté président pendant 4 ans. C'est le seul président depuis je ne sais combien qui n'a pas engagé les États-Unis dans un nouveau conflit. Et il a réussi partout à imposer la voix de l'Amérique. Donc, je vous le dis, le président Trump est un grand président. Un président que les Américains vont regretter. Et ils vont commencer à le regretter dès ce printemps et dès cet été, vous le verrez. Et les gens vont revenir à lui. Alors, peut-être que ce ne sera plus lui compte tenu de son âge, mais en tout cas aux gens qui représentent ce courant. Et dans les années à venir, vous le verrez, parce que moi j'ai foi dans les États-Unis, j'ai foi dans l'Occident, j'ai foi dans nos valeurs, parce que nos valeurs nous sont inspirées par Dieu, je n'ai pas peur de le dire, ce sont les vraies valeurs qui fondent une société saine, une bonne société. Et c'est Dieu qui nous les a inspirées. Et vous verrez qu'au bout de ces quelques années, c'est nous qui gagnerons. Merci beaucoup, Olivier. Vraiment une qualité d'interview. Ben, merci à vous, Yves. Merci de me faire venir. Et puis, merci à tous les auditeurs de NTD qui sont de plus en plus nombreux parce que je regarde quand même un petit peu comment ça marche. C'est vraiment une chaîne qui progresse, mais comme progressent à peu près toutes les chaînes qui reprennent nos idées et qui défendent des idées saines, des vraies valeurs, des valeurs chrétiennes, patriotiques, des valeurs de liberté et de responsabilité. Et j'observe que NPD a fait vraiment une apparition fracassante dans le paysage médiatique et sur Internet en France, parce qu'on ouvre des portes à des débats très intéressants. Je ne parle pas de moi, hein, mais vous savez, je regarde vos émissions. Et puis, il y a d'autres chaînes qui s'inspirent un petit peu de vous, hein, chacune dans leur créneau, ou avec leur tonalité, ou avec leur public, et qui progressent considérablement. Je regardais le baromètre média cette semaine, un baromètre qui donne l'influence des grands médias. La radio la plus influente en France aujourd'hui, c'est Sud Radio, qui est devant les très grandes radios comme France Inter, Europe 1, parce qu'elle-même ouvre la porte au débat avec toutes les sensibilités. En termes de presse magazine, le magazine qui est le plus influent aujourd'hui, c'est Valeurs Actuelles, loin devant le Figaro, l'Obs, etc. Bon, donc on voit bien que nos idées sont en train véritablement de conquérir le cœur des gens parce que les Français, les vrais Français, ceux qui aiment leur pays, savent vers qui se retourner et veulent entendre le discours de la vérité et pas le mensonge mondialiste qu'on leur sert à longueur de minutes, à longueur d'heures, à longueur d'années sur tous les autres écrans qui sont complètement compromis avec la superclasse mondiale. Voilà. Donc, Yin, je vous félicite vraiment, vous et tous vos collaborateurs, pour le travail que vous faites, et je suis très très heureux de pouvoir m'exprimer sur votre antenne. Merci beaucoup Olivier, j'espère de vous revoir très très bientôt. Mais à très bientôt Yin, bonne journée.